Bonjour tout le monde, c'est Lisa Scali, membre du conseil d'administration de l'Alliance française du Maine. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Eva Linfield, une prof en musicologie à Colby College. La musicologie, c'est l'histoire de la musique. Eva était le chef du département de musique pendant 6 ans. Et sa spécialité, c'est la musique allemande du 17e et 18e siècle. Avec un vrai focus sur Buxtehude, qui était un compositeur et musicien allemand. Et lui, c'était le prédécesseur de Bach. Et Bach a étudié avec Buxtehude. Il a étudié la composition parce qu'il était tellement connu dans ce domaine. Eva aussi a dirigé un groupe de la musique ancienne, ce qui comprend la musique médiévale jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, une personnage avec beaucoup de connaissances de la musique et de l'histoire. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la Commedia dell'arte et la musique. Et en particulier, Pierrot et la musique. Alors, Eva, je te laisse parler. Merci, Lisa, pour ton introduction. Avec plaisir. Aujourd'hui, je vais parler pas de ma spécialité du tout, parce que Pierrot, il ne fait pas partie de la musique de l'église de Buxtehude, mais il m'a impressionné et excité pendant des années. Maintenant, je suis intéressée dans la musique. Les autres arts aussi, les beaux-arts et le théâtre. Parce que quand on parle de Pierrot, probablement on ne pense pas tout de suite à la musique. Mm-hmm. On pense plutôt au cirque, oui. Des clowns, la comédie et du mime. Et peut-être même vous pensez de votre chanson « Au clair de la lune ». Mm-hmm. Et je vous chante les deux premières stances. Oui. « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire le mot. » Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Mais tu ne nous as pas dit que tu avais une si belle voix, Eva. C'était fantastique. Bon, en tout cas, ça c'est assez romantique. Et c'est tout à fait, ça couvre tout à fait le sujet de Pierrot. De l'amour, la lune, le crépuscule, et il y a Debussy en musique qui a aussi écrit une pièce pour mm-hmm. le piano qui l'a fait vraiment bon, maintenant on connaît cette pièce de musique de oui, Debussy. Tout à fait. Et Debussy aussi a écrit d'autres pièces et mm-hmm. d'autres des chansons qui sur le sujet de la Commedia dell'arte de ce Pierrot mm-hmm. et c'est vraiment un sujet du romanticisme. Tout à fait. Et aujourd'hui, je suis plutôt intéressée dans des deux caractères, c'est Pierrot et Arlequin. Mm-hmm. Il y a les deux qui sont des personnages de la Commedia dell'arte et c'est Pierrot qui est en général le plus fin, le mm-hmm. plus féminin, mm-hmm. Le malheureux très souvent. Et Arlequin,
Il est beaucoup plus actif Oui. et saute et violent. Et très souvent, on voit les deux personnalités comme deux personnes, hein, deux caractères. Mais il y a aussi l'idée de la confusion des deux caractères. Le sensible, sensitive, sensible, et le plus rude et Plus dur. dur. Mais cette combinaison donne ce qu'il est important, ce sont des fous qui peuvent être malheureux, mais qui peuvent être aussi font beaucoup de blagues. Oui, beaucoup rigolo. Oui, ils sont rigolos. Oui, c'est cette combinaison.